Je dis à Myriam, depuis le matin que tu es sûrement sur les habits là. Maman, c'est quand tu as réparé ça. J'ai déjà lavé normalement, mais je suis en train de sécher. Depuis une heure de temps. Quand je sortais, j'ai demandé de faire rapidement et laver les assiettes là, non. Assiettes là. Chauffer la nourriture. Maman, j'ai fini. Dès que, comme j'ai fini là, j'ai lavé les assiettes, maman, pardon. Et quand je parle, tu sors ta bouche, n'est-ce pas? Quand je parle, tu me sors ta bouche. Maman, j'ai lavé les habits, non. Je vais finir laver les assiettes. Maintenant, je lave les assiettes. Je t'ai déjà dit que quand je parle, ne me réponds plus dans ma maison. Tu as compris? Quand je parle, ne me réponds plus dans ma maison. Jamais plus. Quand je parle, ne me réponds plus dans, ne me réponds plus dans ma maison. Hey, c'est même comment avec maman, toi? C'est quoi encore? C'est quoi encore ici? C'est quoi tous les jours? Quand je parle, me réponds. Maman, tu réponds quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a mis à quoi? Regarde, je sors. Je lui dis que par derrière, lave les habits. Fais les assiettes, chauffe la nourriture. Je reviens, je trouve qu'elle est seulement en train de laver deux habits depuis le matin. Maman, comment tu peux lui demander de laver les habits? Tu as vu son état. L'état de quoi? C'est la paresse. Laver les habits, qu'est-ce que tu lui veux? Elle t'a fait quoi? La petite t'a fait quoi? Non, maman, tu veux qu'elle meure? Son rôle dans la maison, si c'est quoi? Donc, son rôle dans la maison, si c'est seulement manger. Elle passe ses journées à la maison, elle n'est rien fait. Maman, tu exagères. Je n'exagère pas. Tu n'as rien dit quand je parle mes choses, n'entre pas dedans. Maman, donne-moi la béquille là. Donne. Tu exagères. J'exagère. Elle t'a fait quoi? Tu ne vois pas son antique? Tu veux qu'elle meure? Jusqu'à quand est-ce que tu vas la faire souffrir comme ça? Si elle meurt, le monde va se porter mieux. Elle s'arrange à faire ce que je lui dis. Elle est chez moi et elle doit faire ce que je lui demande de faire. C'est quelle sorcellerie ça? C'est que toi, tu es toujours en train de la supporter là. J'essaie plus de la supporter dans cette maison. Anne, je te la supporte encore, tu vas me voir passer. Ton travail, c'est d'aller à l'école. Réussir à l'école. Trouver un bon mari, passer tes diplômes. Tu l'amènes où? Ma laisse, j'ai dit que je vais laver les assiettes. Quand je rentre de l'école, je vais laver les habits. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'elle laisse. C'est toi qui l'encourage à la paresse. Laisse, je vais laver. Elle a déjà dit que n'écoute plus ce qu'elle dit. Quand elle te dit de faire, laisse-moi, je vais rentrer faire. Ça va. Regarde ton état. Tu laves les habits, tu laves les assiettes. Tu ne fais qu'empirer ton état. Normalement, tu ne devais pas être debout en train de sécher. Ça va. N'écoute plus ce qu'elle dit. Un jour, Dieu va t'aider. C'est Dieu qui a le dernier mot sur cette terre. Tout va changer. Regarde, avant tu étais couché, tu ne te levais même pas. Aujourd'hui, tu parviens à te lever. Ça veut dire que ça va aller. Un jour, tu vas normalement marcher. Tu iras aussi à l'école. Ça va. Laisse. Depuis le matin, tu as mangé. Non. Elle a dit que le reste de la nourriture là, que je ne touche pas. Madame, le travail, c'est de fait. Je travaille comme ça sans rien manger. Elle a dit que je ne touche pas la nourriture. Comment, Myriam? Maman! Depuis le matin, elle n'a pas mangé. C'est les habits que tu lui donnes, les assiettes. On travaille sans manger comment? Tu veux la famille et tuer dans la maison aussi? Maman, c'est quoi ton problème, non? Qu'est-ce que la fille t'a fait? C'est quoi, non? C'est quoi comme ça? Laisse, Myriam, laisse. Le Seigneur va t'élever. Il va te faire marcher. J'ai fait quoi, reine? Tout va aller. Dieu, ça va le dernier. Ça va. Laisse. Dieu va te sauver. Aujourd'hui, tu marches déjà, c'est un pas. Même avec les béquilles, avec le temps, ça va aller. Ça va.